Bonjour à tous. En cette période d'enseignement à distance, je vous propose ce podcast qui vous permettra de comprendre le contexte historique et littéraire du XVIIe siècle, qu'on appelle aussi le siècle du classicisme ou le siècle du Roi Soleil. Chronologiquement, la période qu'on va étudier s'étend de l'assassinat d'Henri IV en 1610 à la mort de Louis XIV en 1715, qui marque le basculement entre deux mouvements littéraires et culturels. À la fin du XVIe siècle, l'élan optimiste de la Renaissance est clairement en train de retomber et l'instabilité règne dans tous les domaines. Politiquement, les grands sont en conflit ouvert avec la monarchie qui veut unifier et centraliser. Spirituellement, depuis l'édit de Nantes, qui marque grosso modo la fin des guerres de religion, les protestants se sont regroupés et détiennent des villes telles que La Rochelle. Enfin, militairement, outre les Frondes, qui sont des révoltes face à la montée de l'autorité monarchique et dont nous reparlerons, la France est mêlée à divers conflits, à la guerre de 30 ans essentiellement, soit à partir de 1635. Évidemment, ces agitations politiques, cette instabilité, ce monde morcelé correspond à ce qu'on désigne généralement dans les arts comme le mouvement baroque. Cette appellation a été choisie au XXe siècle pour cataloguer les productions artistiques de cette époque. C'est Jean Rousset, qui est le principal théoricien du baroque, et qui caractérise ce mouvement par, je le cite, le changement, l'inconstance, le trompe-l'œil, le spectacle funèbre, la vie fugitive, le monde en instabilité, la métamorphose. Ce qui correspond sans doute à l'impression qui dominait en cette fin de XVIe siècle, une impression de crise, de fin de période, de fin de cycle, de doute et de questionnement sur l'avenir. Mais en réalité, il est assez pratique d'opposer baroque et classicisme dans la mesure où ce couple antinomique permet de découper le siècle en marquant ses évolutions. Voici d'ailleurs une proposition de découpage chronologique, mais aussi thématique, qui permettra de structurer cette présentation. À l'origine, l'expression baroque désigne une perle de forme irrégulière. Et vers la fin du XIXe siècle, on commence à appeler baroque, par analogie, une peinture ou une architecture qui échappe aux codifications et qui mêle les genres et les registres, tels l'art de Bernini, de Borromini ou de Pierre de Corton. Cette étiquette nous permet d'opposer le baroque à la tendance dite classique, qui se développera à partir de la moitié du XVIIe siècle. C'est d'ailleurs Heinrich Wöfflin, en 1915, dans son ouvrage Les principes fondamentaux de l'histoire de l'art, qui définira les oppositions de ce couple. Mais avant de rentrer dans les détails de ces formes artistiques, revenons sur quelques événements historiques qui ont marqué ce début de siècle. J'ai indiqué dans la diapo quatre dates qui me paraîtraient à ce stade utiles de retenir. À la toute fin du XVIe siècle, Henri IV approche la cinquantaine et il n'a toujours pas d'héritier légitime. Depuis quelques années, c'est Gabrielle d'Astrée qui partage sa vie, mais elle n'appartient à aucune famille régnante. Elle ne peut donc pas prétendre devenir reine. Et sa mort, survenue brutalement en 1599, permet au roi d'envisager de prendre une nouvelle épouse, cette fois digne de son nom. En décembre 1599, il obtient l'annulation de son mariage avec la reine Marguerite de Valois. Alors que ces noces étaient censées célébrer la réconciliation entre les catholiques et les protestants. Vous savez sans doute que le massacre de la Saint-Barthélemy est venu mettre un terme à cette célébration et est à l'origine de la reprise des troubles religieux. Je vous recommande à ce propos de profiter du confinement pour regarder, si vous ne le connaissez pas encore, l'excellent film de Patrice Chéreau, La Reine Margot, avec Isabelle Adjani et Daniel Auteuil. Mais revenons à notre propos. Henri IV, pour des raisons essentiellement dynastiques et financières, va finalement épouser à la cathédrale Saint-Jean de Lyon, le 17 décembre 1600, Marie de Médicis. C'est-à-dire ici que les Médicis, banquiers, créanciers du roi de France, avaient promis au monarque une dot d'un montant total de 600 000 écus d'or. L'année suivant le mariage, la naissance d'un dauphin va assurer l'avenir de la dynastie des Bourbons. Malheureusement, Henri IV va compromettre son mariage et sa couronne en poursuivant une relation extra-conjugale commencée peu de temps après la mort de Gabrielle d'Astrée avec Henriette d'Estrange. C'est une jeune femme ambitieuse et elle n'hésite pas à faire du chantage au roi pour légitimer les enfants qu'elle a eus avec lui. Comme ses requêtes sont systématiquement repoussées,
elle va finir par comploter contre son amant royal. Ajoutons que la fin du règne d'Henri IV est marquée par des hostilités contre l'Espagne. En effet, Henri IV intervient dans le conflit de succession qui oppose l'empereur de confession catholique au prince allemand protestant. Selon les historiens, ce sont ces conflits qui vont pousser François Ravaillac, un catholique fanatique, à assassiner le roi. À la suite de cet assassinat, c'est Marie de Médicis qui va assurer la régence au nom de son fils Louis XIII, alors âgé seulement de 9 ans. Pour bien comprendre l'évolution du siècle, il faut s'arrêter ici sur la figure importante du cardinal Richelieu et du rôle qu'il va jouer dans la politique française. Tout le monde connaît ce personnage à travers la figure romanesque qu'il incarne dans le roman d'Alexandre Dumas, Les Trois Mousquetaires. Historiquement, Marie de Médicis, la reine-mère, le fait nommer en novembre 1615 grand aumônier auprès de la jeune reine Anne d'Autriche, puis le 25 novembre 1616 ministre des Affaires étrangères au Conseil du roi. Il deviendra officiellement cardinal en 1622 et principal ministre de Louis XIII en 1624. Il reste en fonction jusqu'à sa mort en 1642, date à laquelle c'est le cardinal Mazarin qui lui succède. La fonction exercée par Richelieu auprès de Louis XIII est souvent désignée par l'expression de Premier ministre, bien que le titre ne soit utilisé à l'époque que de façon officieuse. Son action englobe aussi bien des dimensions politiques, diplomatiques, coloniales, que culturelles et religieuses. D'abord, Richelieu est réputé pour son habileté politique, mais aussi pour son caractère jugé retors ou machiavélique. Ses traits de personnalité vont lui permettre d'imposer une nouvelle vision du rôle de l'État, en affaiblissant notamment le rôle de la noblesse et des protestants. En fait, Richelieu est considéré comme l'un des fondateurs majeurs de l'État moderne en France, dont l'action va consister à renforcer le pouvoir royal. Par son action, la monarchie s'affirme sous une forme nouvelle qui sera plus tard désignée par le terme d'absolutisme, et ce de manière triomphante sous le règne de Louis XIV. Que voit-on sur cette diapositive ? Eh bien, que ce début de siècle, qu'on qualifie de baroque, est fait de contrastes, à la fois marqués par des violences, souvent publiques, des instabilités politiques, mais aussi et paradoxalement par un goût croissant pour le raffinement et l'idéalisation. La première image, celle de tout en haut à gauche, nous montre les Parisiens torturant le cadavre de Concini, qui est l'ancien conseiller de la régente. Alors, que s'est-il passé ? Eh bien, Concini avait négligé de cultiver l'amitié du jeune roi Louis XIII. Pour amoindrir son pouvoir, il faut dire que Concini disposait d'une armée non négligeable de 7000 soldats, Louis XIII le fit tout bonnement assassiner. Alors, quelques détails macabres nous permettent de mieux comprendre ce début de siècle. Après l'exécution, le cadavre de Concini a été exhumé par des Parisiens et traîné dans les rues, puis profané. Après avoir été lapidé et bâtonné par la population, il a été publiquement pendu par les pieds, puis dépecé et ses restes brûlés. Par la suite, la femme de Concini a également été jugée, cette fois pour juiverie, terme qui désignait alors la pratique de la sorcellerie. À son tour, elle a été exécutée. Après leur mort, les biens du couple, notamment leur château de Lésigny et l'hôtel parisien de la rue de Tournon, ont bien évidemment été confisqués au profit du roi. On comprend donc que cette période perpétue la tradition moyenâgeuse des mises à mort publiques et des complots politiques. Autre exemple symptomatique de cette violence, celle de la conspiration de Chalais. C'est l'image du milieu sur la diapo. Qui est une conspiration qui a eu lieu en 1626 et qui fut dirigée contre le cardinal de Richelieu, alors Premier ministre de Louis XIII. C'est la première, mais non la dernière, conspiration de la noblesse contre le ministre. Celle-ci sera axée sur l'absence de descendance directe de Louis XIII. Mais ce qui nous intéresse, c'est le traitement de cette affaire. En effet, Chalais est arrêté le 8 juillet et jugé. Bien évidemment, Louis XIII donne tous les pouvoirs au garde des Sceaux pour mener une information judiciaire concernant ces événements. Après des aveux complets, qui ne font que confirmer les soupçons du cardinal, Chalais est condamné pour crime de lèse-majesté à la peine de mort le 18 juillet. Durant l'exécution publique, on apprend de sources historiques que le bourreau doit s'y prendre à 20 reprises pour parvenir à le décapiter. Mais ces violences ont également lieu sur le plan militaire et religieux. C'est ce que vous voyez sur l'image en bas à gauche. On l'a dit, le point d'orgue de la politique de Richelieu, c'est de détruire la puissance politique du protestantisme en France. Si l'édit de Nantes a permis de ramener la paix dans le royaume de France,
Il a également eu pour effet de transformer les cités protestantes en un État dans l'État. Dès lors, il faut dire que la menace vis-à-vis du pouvoir royal était bien réelle et que Richelieu entendait bien la réduire à néant. Grâce à l'édit promulgué par Henri IV, je le disais précédemment, La Rochelle est devenue un haut lieu de la religion réformée en France. Ce port, dernière place de sûreté des Huguenots, recevait d'autre part de la mer l'aide des Anglais, évidemment prompts à intervenir lorsqu'il s'agissait de mettre en péril le pouvoir de leur grand rival. À ce propos, la principale crainte de Richelieu est que cette place forte devienne une sorte de bastion d'où les protestants, aidés financièrement par l'Angleterre, pourraient mettre en péril le pouvoir royal et étendre leur influence à l'ensemble du territoire. La décision ne se fit donc pas attendre et Richelieu prit la décision d'attaquer La Rochelle. Pourtant, et paradoxalement, sous Richelieu et au début de la régence d'Anne d'Autriche, à savoir la période entre 1624 et 1650 environ, le siècle connaît le développement d'un esprit plus raffiné. En fait, c'est comme s'il fallait trouver ailleurs que dans l'agitation politique et les violences de quoi satisfaire les besoins de distinction sociale. Dans cet esprit, on interdit d'abord les duels pour leur substituer de nouvelles joutes pacifiques, celles-ci, qui se jouent sur le plan purement intellectuel dans des salons de l'aristocratie. C'est le développement de ce qu'on appelle la préciosité. Il n'y a pas à proprement parler de théorie littéraire de la préciosité. Il s'agit plutôt d'une tendance dont on trouve des traces dans toute l'Europe au milieu du XVIIe siècle et qui pousse au paroxysme certains penchants baroques comme la virtuosité verbale dans la joute ou la manière de se vêtir. On y reviendra, mais la préciosité est inséparable de l'aristocratie. Ceux qui s'en réclamaient souhaitaient une revalorisation de l'homme basée sur le bel esprit, le brio de la conversation, l'élégance du langage comme moyen de se distinguer plutôt que des comportements violents ou barbares. En fait, dans les milieux précieux, on méprisait allégrément les mœurs grossières et triviales. Dans le domaine littéraire, soulignons à ce propos le rôle qu'a joué l'Astrée. Ce roman fleuve que vous voyez juste en bas à droite de la diapo est un roman de 5000 pages qui paraît entre 1607 et 1627. Il fut l'un des grands succès de librairie de la première moitié du siècle et inspira grandement l'esprit et la sensibilité des précieux et surtout des précieuses. À partir d'une trame simple et empruntée à la tradition courtoise, autrement dit des histoires d'amour entre des jeunes gens et une intègre bergère, son auteur, Honoré d'Urfé, tisse une fresque où les intrigues à tiroir se succèdent pour le plus grand plaisir de ces dames qui verront dans ces modèles matière à développer leur art d'aimer, leur élégance et leur raffinement. Ce roman marquera d'ailleurs la quintessence du baroque par la manière qu'il a d'aborder le thème de l'inconstance d'un monde où le cœur et l'esprit échappent au réel. Pour conclure, je vous propose sur cette diapo de regarder et comparer quelques œuvres d'inspiration baroque. Elles nous permettront de mieux cerner comment cette tendance s'exprime dans les arts. De manière générale, nous pouvons dire que la sensibilité baroque a le goût des antithèses et des images pour traduire l'impression d'instabilité et de contradiction. Dans les arts, notamment la peinture, cette sensibilité se manifeste par le jeu des perspectives tournantes et des mouvements, l'abus des contrastes et des compositions souvent foisonnantes. Par exemple, la toile Famille de paysans de Louis Le Nain montre de manière réaliste les conditions de vie par une surcharge d'éléments et de teintes évoquant le mystère, la mort et la pauvreté. À l'opposé, le tableau de Simon Vouet, intitulé « Le temps vaincu par l'amour », démultiplie les éléments picturaux afin de traduire le mouvement et le dynamisme dans un chatoiement de couleurs. Le sujet mythologique appelle le spectateur à l'évasion et à l'idéalisation. À ce propos, le baroque emprunte souvent ses sujets à la mythologie ou à l'histoire ancienne en cherchant à imposer une morale édifiante. L'influence de la Renaissance italienne favorise le retour à une tradition antique et à une surcharge ornementale. C'est cela qu'on peut observer dans la sculpture Flore et Quatre Amours qui s'amusent à nouveau du principe de l'idéalisation. Par contraste, les œuvres du Caravage mettent, sous le regard du spectateur, des corps souffrants. Ce sont ici des histoires tragiques, sortes de chroniques de l'horreur relatant des affaires criminelles ou des scènes mythologiques ou religieuses où se déploient des représentations de meurtres, de suicides, de viols, d'amour dénaturé ou de sorcellerie. Ces représentations macabres ont beau avoir une intention moralisatrice, le projet est vite perdu de vue par le spectateur qui a plutôt l'impression d'atteindre
la part inavouable de la nature humaine où règne un instinct de mort et de meurtre. Et cela a traduit sans doute l'esprit qui domine ce début de siècle. Pour terminer cette partie, voici quelques œuvres littéraires qui ont marqué l'esprit baroque de ce début de siècle. La période allant de 1630 à 1661 est un moment charnière qui marque le passage du baroque au classique. Trois événements sont à retenir et seront traités dans cette partie. Il y a d'abord la fondation de l'Académie française en 1635, la naissance et le début du règne de Louis XIV, et finalement la période de la Fronde entre 1648 et 1652. Nous l'avons dit, cette période marque une véritable transition dans l'histoire de la France. En 1624, Marie de Médicis parvient à faire entrer au Conseil du roi le cardinal de Richelieu. La plupart des historiens mettent en évidence l'étroite relation qui va s'établir entre les deux hommes. Il faut dire que Louis XIII et Richelieu partagent une même conception de la grandeur de la France et des priorités qui s'imposent dans le domaine politique. Ensemble, ils vont notamment faire face à l'hostilité et aux rivalités d'une grande partie de la famille royale et des grands royaumes. Ils vont également tenter de briser l'encerclement espagnol et tout faire pour assurer la continuité et la succession du roi. À ce propos, la naissance du dauphin, futur Louis XIV, en 1638, après 23 ans de mariage, alors que le roi et la reine ont déjà 36 ans, le font surnommer l'enfant du miracle. Louis XIII meurt 5 ans plus tard de la maladie de Crohn. Il est toutefois probable que cette maladie chronique n'ait fait qu'affaiblir le roi et que le coup de grâce lui ait été donné par son médecin, nommé Bouvard, qui aurait pratiqué sur lui 34 saignées, 1200 lavements et 250 purges dans les deux dernières années de sa vie. Louis XIV, étant âgé de seulement 5 ans à la mort du roi, c'est sa mère, Anne d'Autriche, qui va assurer la régence en France. Mais il faut dire qu'après la mort de Richelieu en 1642, puis celle de Louis XIII, le pouvoir royal est considérablement affaibli. Avec la régence, la situation devient intenable. La situation financière et fiscale due au prélèvement nécessaire pour alimenter la guerre de 30 ans et soutenue par Mazarin appauvrit une population déjà exsangue. Du côté des puissants, l'esprit de revanche des grands royaumes, écrasé sous la férule de Richelieu, se fait de plus en plus sentir. Cette situation provoque une conjonction de multiples oppositions, aussi bien parlementaires qu'aristocratiques et populaires. La révolte éclate le 15 juin 1648. Même si l'avis des historiens diverge sur la question. En fait, cette chronologie est assez complexe en raison d'événements multiples et de renversements des alliances. Toutefois, l'historiographie a pris l'habitude de distinguer plusieurs mouvements. Le premier correspond à l'opposition des cours souveraines, qu'on appelle fronde parlementaire, et qui s'étend de 1648 à 1649. Le second marque l'opposition des grands, appelée fronde des princes, qui va, celle-ci, de 1651 à 1653. Louis XIV, alors âgé d'une dizaine d'années seulement, garde une rancune tenace de ces révoltes qui menacent sa famille. C'est une des raisons qui explique sa volonté de s'installer en dehors de Paris, dans le domaine giboyeux de Versailles, où la famille royale avait pris l'habitude de pratiquer la chasse. Si on revient à la question littéraire, il est important de relever le rôle qu'ont joué les artistes, les écrivains et les intellectuels dans la manière de façonner les idées de cette période. Soulignons que, dès les premières années du XVIIe siècle, les poètes, jusqu'alors dispersés dans les provinces, retrouvent la vie de cour. Ils deviennent courtisans et acquièrent une sécurité matérielle en acceptant de se placer sous la dépendance des grands. François Malherbe est l'exemple type de ces intellectuels qui se placent sous la protection des grands. Fils d'un magistrat provincial, il parvient à se frayer un chemin jusqu'à l'entourage royal. D'abord au service d'Henri IV, puis de Louis XIII, il chante les grandes réussites politiques. Il rédige des prières pour le roi Henri, allant au Limousin, ou une ode à Louis XIII allant châtier les Rochelois. Mais cet art officiel oblige Malherbe à se démarquer de l'esprit du temps et de l'esthétique baroque. À celui-ci, Malherbe oppose un art ordonné dans un langage net et structuré. En défendant un art de la simplicité et de l'efficacité, Malherbe s'adapte à son public, souvent peu cultivé. Pour plaire à cet auditoire, il faut donc une poésie harmonieuse et régulière, avec des thèmes immédiatement perceptibles. Cet idéal de simplicité et de clarté
aboutit à une langue sobre qui prépare immédiatement le classicisme. À sa mort, des passionnés poursuivent sa tâche. Richelieu entend parler d'eux et leur propose de former un corps officiel qui se réunira régulièrement. C'est la création de l'Académie française en 1635 qui participera désormais à l'effort d'harmonisation. Entre 1640 et 1660 environ coexistent deux courants principaux, le baroque et ce nouvel esthétique qu'on nommera bientôt classique et qui tend à codifier le langage et les formes littéraires. Thématiquement, le mouvement s'enrichit de la pensée de Descartes qui considère que la raison est le seul moyen d'appréhender la réalité et des jansénistes qui considèrent que l'homme est soumis à la fatalité et à la prédestination divine. Ces tendances vont grandement influencer le théâtre d'auteurs comme Corneille et Racine. Pierre Corneille traverse à la fois la période baroque et les débuts du classicisme. Il incarne parfaitement l'évolution de la littérature pour finalement laisser la place à Racine après 1665. Sa grande réussite est d'être parvenu à plaire aux mondains, c'est-à-dire au public bourgeois, tout en s'appliquant à suivre les règles initiées par Malherbe. La fameuse querelle du Cid reflète les tensions entre l'art de plaire et les manquements aux règles. Avec le Cid, le sujet reste romanesque, on suit les péripéties d'un héros capable de se dépasser physiquement et surtout moralement, alors que les règles formelles ne sont pas toujours respectées. L'unité d'action est démentie par des intrigues parallèles, l'unité de temps s'étire sur deux journées et l'unité de lieu disparaît, un peu à la manière d'une saison de Game of Thrones. Ces écarts firent l'objet de nombreuses polémiques au sein de l'Académie et des cercles précieux, alors que le public s'en moquait bien. Pourtant, cette fameuse querelle obligea Corneille à s'astreindre aux règles pour ses pièces suivantes. Parallèlement à la codification du langage et des genres, deux tendances vont se développer, le burlesque et la préciosité. Tout d'abord, la réaction contre les invraisemblances du romanesque va inspirer une attitude littéraire qu'on nomme burlesque. En France, c'est l'œuvre de Molière qui en donne le meilleur exemple. Se moquant tour à tour des aristocrates, des bourgeois et des paysans, le grand dramaturge s'est évertué à montrer combien les hommes étaient ridicules quand ils cherchaient à être sérieux. Ainsi, son œuvre produit-elle un décalage ironique en décrivant des situations du quotidien pour mieux s'en moquer. Mais le genre ne se limite pas au seul registre du théâtre. Des poètes comme Voiture s'amuseront des épisodes burlesques de la vie mondaine pour amuser le grand Louis XIV. L'autre tendance, c'est évidemment la préciosité dont nous avons parlé précédemment. Dans les salons, on méprise les mœurs grossières ou bourgeoises. On s'y retrouve pour des joutes, des divertissements littéraires, des bals masqués et autres batifolages. Entre 1620 et 1660, le salon précieux le plus en vue de Paris se tient à l'hôtel de Rambouillet. Catherine de Vivonne, surnommée l'incomparable Artémis, y reçoit les plus beaux esprits de son temps. L'intérêt d'un tel lieu de culture est de faire s'y rencontrer diverses générations d'intellectuels. On y parle de l'astrée, de philosophie, d'astronomie, de la défense ou non du Cid et des nouvelles tendances de la mode. Molière ne manquera pas de s'en moquer dans sa pièce devenue célèbre, Les précieuses ridicules. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ces subtils débats peuvent nous paraître vains et surannés, il n'en demeure pas moins qu'ils ont permis au goût littéraire de se former et de se développer. Parmi les jeux de prédilection des précieux et des précieuses, on trouve ceux qui font travailler le langage et l'écriture. On développe en effet un goût amusé pour les expériences dialectiques, les créations et les jeux de mots, comme le feront d'ailleurs les groupes dadaïstes et surréalistes au début du XXe siècle, au cabaret Voltaire ou à Saint-Germain-des-Prés. Les précieux et les précieuses s'amusent du pouvoir et des chances de ce qu'ils appellent les exercices de style. Parmi les expressions qu'ils ont inventées, on trouve des choses amusantes comme des hyperboles, des périphrases. Retenons en particulier l'expression « supplément du soleil » pour désigner une chandelle, « le conseiller des grâces » pour le miroir, ou encore « voiturez-nous ici les commodités de la conversation » pour dire « apporter des chaises ». Ceux que je préfère sont ceux pour désigner le nez, que les précieux et les précieuses appellent les écluses du cerveau, et l'expression pour désigner un accouchement, subir les contre-coups des plaisirs légitimes. Retenons pour terminer quelques œuvres qui auront marqué cette période. Chronologiquement, la période entre 1661 et 1685 marque le triomphe du classicisme. La cour s'installe définitivement à Versailles, la cage dorée de la noblesse.
Et 1683 voit éclater la célèbre querelle des anciens et des modernes. Historiquement, il faut retenir qu'après la mort de Mazarin, Louis XIV va s'évertuer à éliminer toute forme de contre-pouvoir, radicalisant son règne absolutiste sur la France. Les responsabilités gouvernementales sont confiées à des bourgeois, le pouvoir des parlements est limité, les sectes religieuses sont combattues, protestantisme, jansénisme, et l'édit de Nantes est révoqué en 1685. Mais c'est surtout la disgrâce de Nicolas Fouquet, par ailleurs protecteur de Jean La Fontaine, qui marque les esprits. En vendant les charges, Nicolas Fouquet parvient à sauver l'État de la banqueroute, mais il en profite pour puiser dans les caisses et remplir sa caissette personnelle. Devenu adulte, Louis XIV ne tolère plus le train de vie de Fouquet qui vient de faire bâtir le somptueux château de Vaux-le-Vicomte. Un soir d'août 1661, Fouquet décide d'y organiser une fête somptueuse en l'honneur de Louis XIV, alors âgé de 22 ans. 6000 invitations sont lancées à travers l'Europe. Le célèbre cuisinier Vatel concocte le dîner servi dans une vaisselle d'or pour la modeste somme de 120 000 livres. Ce soir-là, Molière donne en exclusivité une représentation de sa nouvelle pièce, Le Fâcheux, dont il tiendra d'ailleurs le rôle-titre. Félibien raconte dans sa relation des magnificences faites par M. Fouquet que, je cite, « le théâtre était dressé dans le bois de haute futaie avec quantité de jets d'eau, plusieurs niches et autres enjolivements ». Les festivités de cette soirée incroyable s'achèvent à 2 heures du matin par un grand feu d'artifice. On raconte que deux chevaux du carrosse de la reine, effrayés par le tonnerre des explosifs, se noient dans le fossé. Pompon de la Pomponnette, ce soir-là, Fouquet tente de séduire Louise de la Vallière, la toute nouvelle maîtresse de Louis XIV. Pour le jeune roi, c'en est trop. Blessé dans son orgueil, le 5 septembre 1661, il demande au mousquetaire d'Artagnan de procéder à l'arrestation de Fouquet, l'accusant de complot et crime de lèse-majesté, et détournement de fonds et malversation. Un tribunal d'exception condamne l'homme au bannissement du royaume. Mais pour Louis XIV, ce n'est pas assez. Il utilise son droit de disgrâce pour obtenir son emprisonnement à vie. À la suite de ce procès, Louis XIV supprime définitivement la charge de surintendant des finances et décide d'exercer lui-même avec l'aide de Jean-Baptiste Colbert. À partir de 1663, ce dernier devient la main du roi dans la mise au pas des provinces, notamment pour juguler la puissance des nobles. Régnant en monarque absolu, Louis XIV, soucieux de rendre tangible la puissance et le prestige de la royauté, fait de Versailles, nous l'avons dit à l'origine, simple rendez-vous de chasse de son père, le centre magistral du pouvoir administratif et la vitrine de sa grandeur. Progressivement, le château s'agrandit sous la direction de Louis Levaux. Il s'agit d'un véritable tour de force technique et aussi olfactif, un exploit dans la mesure où le terrain est principalement marécageux. Cette contrainte n'empêchera pas André Le Nôtre de dessiner des jardins féeriques aux portes d'une ville créée de toutes pièces. Ce gigantesque chantier s'étala sur plus de 40 ans. Finalement, sur le modèle de l'Académie française fondée par Richelieu, le roi va également créer plusieurs académies. Citons, ou retenons plutôt, trois académies en particulier. L'Académie des inscriptions et des belles-lettres, fondée en 1663, l'Académie des sciences, en 1667, et l'Académie d'architecture, en 1671. À Versailles, le roi impose ses codes vestimentaires et ses goûts. La société est normalisée, toute singularité est dénoncée comme anormale. La cour de Versailles et les salons mondains imposent le modèle du courtisan comme un idéal humain auquel il convient de se conformer si l'on veut tenir son rang et jouer son rôle dans le monde. On parle alors de l'honnête homme. Ce besoin de contrôle, on le retrouve également dans le domaine de la littérature, au service de Louis XIV pour mettre en valeur la grandeur de son règne. Nicolas Boileau, historiographe du roi depuis 1677, expose ses théories dans l'art poétique. Les grands principes de Boileau reposent sur des valeurs raisonnables, imitation des anciens, respect des règles techniques et le refus de toute extravagance. Contrairement à la comédie au contour assez souple, les spectacles du théâtre tragique reposent sur un système dramatique précis. Il y a d'abord la triple unité à respecter, le temps, le lieu et l'action. Pour cette dernière, la dramaturgie impose un déroulement préétabli. Une exposition, l'action qui se noue et qui se révèle inextricable, une péripétie qui change la face des choses, une catastrophe, à savoir l'événement funeste et décisif, et un dénouement. À l'intérieur de cette structure, l'auteur utilise les catégories esthétiques définies par Aristote.
le dramatique d'abord. Le personnage se débat pour modifier l'issue de la pièce. Le pathétique. Le personnage est écrasé par le destin. L'épique. Le personnage mène des actions héroïques. Et enfin, le tragique. In fine, le personnage ne peut rien contre le destin. Telle est la doctrine au service des deux fonctions immuables, plaire et instruire le spectateur. Dans les dernières années du siècle, après 1670, le genre romanesque connaît une mutation. Les romans fleuves comme l'Astrée, nourris d'héroïsme, ne correspondent plus à la réalité sociale. La noblesse, domestiquée par Louis XIV, réduite à l'inaction, ne peut plus se réclamer des idéaux d'autrefois. De même, le goût évolue sous l'influence de la tragédie racinienne, de la littérature religieuse et des moralistes. Paru en 1678, le roman La princesse de Clèves traduit pour la première fois les tourments psychologiques des hommes et surtout des femmes de la cour. Dans ces lieux, chacun se guette, les personnages sont réduits à suspecter tout le monde, à percer les desseins d'autrui, à se contenir face aux obligations et à s'isoler pour s'analyser. Un tel lyrisme, doublé d'un appel à l'introspection morale, se retrouve en poésie. Les fables de La Fontaine en seront un bon exemple. L'utilisation des animaux permet à l'auteur de séduire pour mieux instruire. Car si la morale appelle à la réflexion sur la nature humaine, elle n'en repose pas moins sur un art d'écrire plein de vie et d'amusement. De cette période riche et foisonnante, nous retiendrons évidemment les pièces de Molière, les tragédies de Racine, le roman La princesse de Clèves, les Maximes de La Rochefoucauld et bien évidemment les fables de La Fontaine. La fin du siècle s'étend de 1685 à 1715 et marque la fin du règne de Louis XIV et avec lui, celui du classicisme. En 1682, Louis XIV est définitivement installé à Versailles. Tous les courtisans se plient à l'étiquette et la cour se retrouve complètement coupée des réalités et du peuple. La fin du règne du roi Soleil est particulièrement difficile. Les guerres ont ruiné le pays, les paysans souffrent, souvent à cause des mauvaises récoltes et des hivers très rigoureux, notamment celui de 1709, et les impôts augmentent de manière constante. En outre, le roi, qui a une vie exceptionnellement longue pour l'époque, voit disparaître une partie de sa descendance avec la mort de son fils, de ses petits-fils, et même de ses arrière-petits-enfants. La succession repose désormais uniquement sur un enfant extrêmement jeune, son arrière-petit-fils, qui deviendra plus tard Louis XV alors qu'il n'a que 5 ans. Ajoutons que les dernières années du roi sont marquées par l'influence de sa dernière épouse, épouse morganatique, Madame de Maintenon, qui le maintient dans une piété scrupuleuse. Soucieux de sa santé morale et physique, Louis XIV emploie 44 médecins pour les soins de son corps et s'entoure des meilleurs prédicateurs pour les soins de son âme. Sous l'influence de ces derniers, il va même révoquer l'édit de Nantes en 1685, provoquant l'exode massif des protestants et accroissant ainsi l'appauvrissement du pays. Digne d'une tragédie de Racine, la mort de Louis XIV commence véritablement le 10 août 1715. À son retour de la chasse, le roi ressent une vive douleur à la jambe. Son médecin, Fagon, diagnostic une sciatique. Pourtant, les taches noires apparaissent bientôt. Il s'agira en fait d'une gangrène qui occasionnera des douleurs atroces pour le roi. La maladie se développe et atteint l'os le 26 août. Mais les souffrances ne font que commencer. Louis XIV tombe finalement dans un semi-coma les 30 et 31 août. Il meurt le 1er septembre au matin. Son corps est exposé pendant 8 jours dans le salon de Mercure à Versailles. Il est transporté le 9 septembre à Saint-Denis, dans la nécropole des rois de France. À sa mort, il laisse un royaume certes centralisé, mais totalement ruiné. La France a perdu sa puissance et ne domine pratiquement plus l'Europe à cause des dépenses dispendieuses entraînées par Louis XIV. Entre la révocation de l'édit de Nantes en 1685 et la mort du roi en 1715, les tensions intellectuelles sont également à leur comble. Le 27 janvier 1787, Charles Perrault présente à l'Académie française son poème « Le siècle de Louis le Grand », qui déclenche une polémique dans le domaine littéraire, connu sous le nom de « querelle des anciens et des modernes ». Une nouvelle conception historique va s'en dégager. Les modernes renoncent à imiter les modèles antiques pour mieux vanter l'originalité et le prestige du siècle du roi Soleil. Les anciens leur opposent l'idée que l'on ne peut pas dépasser les grandes épopées antiques d'Homère et de Virgile. Le débat se joue également sur la langue, puisque les anciens souhaitent maintenir le latin comme langue de prestige, alors que les modernes souhaitent désormais mettre uniquement en valeur le français. Sur cette diapo, voyons et lisons surtout ce que revendiquent les deux camps. D'abord, les anciens. Ils revendiquent l'autorité de Virgile et d'Homère, comme je l'ai dit précédemment.
Leurs œuvres sont des chefs-d'œuvre incontestables et doivent servir de référence et de modèle. C'est ce que revendique La Fontaine dans son épître à Huet. D'autre part, il faut imiter la nature et n'accorder d'importance qu'au simple et au naturel. Dans la remarque 10 du chapitre des ouvrages de l'esprit, La Bruyère écrit, je cite, « Il y a dans l'art un point de perfection, comme de beauté et de maturité dans la nature. Celui qui le sent et qui l'aime a le goût parfait. » Et dans la remarque 15 de ce même chapitre, il considère qu'il faut revenir au goût des anciens et reprendre enfin le simple et le naturel. Mais imiter ne veut pas dire copier servilement et ne pas faire preuve d'originalité et de personnalité. Il faut suivre l'exemple des anciens, avoir la même rigueur qu'eux, mais on peut aussi inventer à partir de cette base. Finalement, il faut que les œuvres d'art résistent au temps, et pour cela, elles doivent traiter des caractéristiques de la nature humaine, ce qui ne signifie pas pour autant qu'elles ne font pas référence à l'époque précise de l'écrivain. Du côté des modernes, Charles Perrault, dans le siècle de Louis le Grand, proclame la supériorité du siècle de Louis XIV et celui d'Auguste. Il critique les anciens et fait l'éloge des modernes. Il refuse d'admirer les anciens sans réserve, car il considère que tout n'est pas admirable chez eux. Les modernes refusent de prendre les anciens pour modèle, car selon eux, ce serait admettre que l'art a atteint un point de perfection. C'est donc non seulement déconsidérer la création artistique contemporaine, mais encore empêcher une évolution de la création artistique. Il faut souligner qu'ils ont foi dans le progrès. Pour eux, le monde n'est pas statique. Il est en marche, et l'artiste ne peut que rendre compte à travers ses œuvres de cette évolution. Les sciences progressent, et de même les arts. Enfin, les modernes vont juste à penser que la culture des anciens a pour conséquence une certaine stérilité dans la création artistique. Fontenelle dira, je cite, « Rien n'arrête tant le progrès des choses, rien ne borne tant les esprits que l'admiration excessive des anciens. » Dans les faits, les deux groupes sont difficiles à cerner. Les débats portent autant sur des questions idéologiques que personnelles. On peut essentiellement retenir que du côté des anciens, on trouve des membres de l'aristocratie et de la haute bourgeoisie que l'évolution de la société française peut mettre en péril. Les modernes, de leur côté, s'organisent autour de Fontenelle et Perrault dans les salons parisiens. On cherche à y perpétuer l'esprit libre et précieux. Les modernes soutiennent une politique éclairée qui permettra d'accroître le prestige de l'État français, la technique et la science. Il faut dire que Charles Perrault, chargé de la propagande culturelle du régime de Louis XIV, souhaite promouvoir la monarchie absolue comme seul et unique modèle politique permettant le progrès. Pour terminer, voici, comme à la fin de chaque chapitre, une sélection d'œuvres qui ont marqué la fin de ce siècle. Voilà, nous arrivons au terme de cette présentation. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle a été utile. Je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à prendre contact avec moi si vous avez des questions. N'hésitez pas non plus à laisser un commentaire sous cette vidéo. J'y répondrai volontiers et je vous dis à tout bientôt pour un autre chapitre.